Bonjour, et bienvenue à Marchamps, petite commune du Beaujolais, qui en fait se situe pas loin de Quincy en Beaujolais, que vous connaissez probablement pour la qualité de ses Beaujolais villages et également parce que c'est le berceau de la famille Pivot. Et Bernard Pivot, vous connaissez certainement. Et donc vous avez ici en fait juste derrière Marchamps, le château des Varennes, qui est un très beau château qui accueille des réceptions et des mariages. Et puis au-dessus, eh bien, les monts du Beaujolais, voilà, que l'on peut admirer sur les hauteurs de Marchamps, où le temps aujourd'hui est un temps et vient d'avril, avec actuellement quelques petites giboulées de neige. Oui, oui, on ne le voit pas là, mais c'est de la neige qui tombe. Et le rayon de soleil, un petit peu plus loin sur le village, qui va probablement être éclairé d'ici quelques secondes. Je l'espère du moins. Voilà, donc il y a un bel endroit pour se balader sur les hauteurs de Marchamps. Que je vous conseille, qui est très sympa, en bordure de vigne, sur ces petits chemins qui arpentent nos coteaux et sur lesquels on peut découvrir la difficulté du travail de nos viticulteurs qui viennent régulièrement entretenir ces splendides pieds de gamay qui nous produiront eh bien, un Beaujolais village de qualité. Voilà, donc je termine cette petite séquence sur les vignes de Gamay. Et vous voyez peut-être maintenant un peu mieux la neige qui commence à s'intensifier. Mais pas trop de risques, je pense, pour nos vignes. Car vous devez le savoir, lorsque on est en face de débourrement de la vigne, ce qui est le cas dans ces hauteurs où on peut apercevoir un léger retard par rapport au débourrement qui est déjà terminé sur les bas du Beaujolais, et bien dans ces hauteurs, et bien la vigne craint le gel évidemment, et la grande crainte des viticulteurs à cette époque, c'est qu'une gelée pouvant aller vers les moins 3 puisse survenir et endommager les jeunes pousses très fragiles et donc mettre à mal la potentielle récolte de l'année. Voilà, donc je vous laisse sur ces images, je vais redescendre maintenant sur Marchamps pour terminer cette petite balade du dimanche matin et je vous souhaite eh bien, un beau dimanche qui je l'espère sera ensoleillé, mais je pense qu'on devrait apercevoir le soleil d'ici quelques temps. Voilà, à bientôt.